تو يرفعوا بقى هاو تو يتا صوتي يرفعوا هي na oro po itata tu himene ai ai uara hute a tu ai tu ai a hono no a no a o te mutura. Ce sont les premières paroles de notre hymne. Et je veux ici dire merci à Coco. Coco Mamatui, qui a écrit cette chanson et composé cette chanson, que je vous demande d'applaudir. Oui, on a Coco, Thierry. C'est Coco, le leader. Et pourtant, n'oublions-nous pas trop souvent de remercier Dieu d'avoir créé ce pays dans sa beauté, sa diversité de paysages et de cultures et toutes les richesses de sa nature. Nous n'héritons pas le monde de nos parents, nous ne faisons que l'emprunter à nos enfants. Ya ore tatou yene te fenua no tatatou huai. Tout ceci nous rappelle pourquoi nous sommes engagés en politique au service du peuple. Oui, pourquoi? Sinon, préparer ce pays à être un espace de liberté où pourront fleurir et prospérer tous ses enfants. La nécessaire évolution du partenariat avec l'État. Ce souci du devenir de nos enfants, certains à Paris semblent l'avoir oublié, pour peu qu'ils ne l'aient jamais eu réellement à l'esprit. Pour ceux qui voudraient oublier ce passé peu glorieux, je veux rappeler le vote à la hussarde d'une nouvelle loi électorale censée balayer l'opposition et assurer un règne tranquille du poulain UMP de l'époque. Vous savez de qui je parle, hein? Je ne vous dis pas de suivre mon regard. Ce rappel n'est pas anodin, j'y reviendrai. Et l'impensable de survenir un 23 mai 2004. Pramorua, meti ei fahaman ohi ei tatou te hupei tupu. Momot heiti meri muri tatou te mat heiti piti tautini e mha. O tupu te tei tsunami, protita. Yo tatou nei roto i te moana patiti fa e tenu atu i te mo whenua. O Europa mā, wharorahia te pro api no te
Whaoti rao ti rao hi e te nuna. Te ua ma tai ti. Mais l'histoire retiendra que les Polynésiens ont été pris pour des sous-citoyens, des incapables, selon l'État UMP, de voter sans faire abstraction de la couleur des rideaux. Elle retiendra encore l'attitude incroyable de la ministre de l'Outre-mer de l'époque, Madame Girardin, en annonçant la fermeture des robinets. Effectivement, l'UMP dès 2005 entamait le retrait du CEP en cessant sa participation au financement du RST. Ajoutez à cela la réduction en marche forcée de la présence militaire, qui ne saurait être compensée par la seule démarche du CRSD. Les charges nouvelles sur les communes du fait du CGCT. Ajoutez maintenant le simulacre indécent de la loi Morin, qui n'a pour but que de fournir un alibi, pour pas cher, à tous ceux qui ont soutenu les essais nucléaires propres de la France pendant 30 ans. La suppression unilatéralement décidée de l'UTR sous un président autonomiste qui persiste à militer pour l'UMP n'a pas encore donné la pleine mesure de ses effets négatifs sur notre économie. Aucun des mécanismes compensatoires promis à l'époque n'est aujourd'hui en place, ni même à l'étude. En 2009, à nouveau, de manière unilatérale, l'État UMP opérait un véritable rapt sur l'aéroport de Faa, confiant sa gestion jusque-là assurée, sans aucun problème, par une société polynésienne au groupe métropolitain Aegis. Cette opération avait pour double objectif de priver le pays de tout contrôle de la plateforme qui le relie au monde et de fournir un cheval de Troie à un groupe dont les prétentions s'étendent aujourd'hui à la gestion de l'eau, de l'assainissement et des travaux de voirie. Tout ceci au détriment de nos entreprises privées, du tissu industriel, économique et social. Ajoutez encore à ce simulacre une pincée de cynisme en annonçant juste avant sa candidature au présidentiel une ouverture des archives relatives à Poana Aopa et 3500 CDL qui dureront, oh, pure coïncidence, juste le temps de l'élection. Pour terminer ce cocktail, empêcher nos étudiants polynésiens d'être diplômés dans l'enseignement de leur propre langue et s'exiler loin de leur future réalité quotidienne, nos Capétiens, en arguant de motifs tout aussi fallacieux les uns que les autres. Vous obtenez le portrait d'un État UMP central partisan qui n'a pas encore compris que le temps des colonies est révolu. Et là, je tiens à vous remercier d'avoir observé cette minute de silence pour M. Ben Bella, M. Aubrac, des gens qui se sont levés pour combattre, pour que leurs pays, différents pays respectifs, soient libres aujourd'hui. Ben Bella a même été dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et que son devoir était de nous accompagner vers notre destin, et non de nous enfermer dans celui qu'il nous a tracé, un grand renfort de lignes rouges. Comment dès lors imaginer que le gouvernement de notre pays, de quelque bord politique qu'il fût, puisse imaginer continuer 5 ans de plus avec en face et non plus à ses côtés un État qui continue tous les jours de faire exactement l'inverse de ce qu'il a promis en 2007. Un État UMP surtout qui n'hésite pas à recycler les bonnes vieilles méthodes d'avant le Taoui,
avec une nouvelle loi électorale qui entrera en vigueur en 2013 et qui impose une géométrie des circonscriptions, encore une fois taillée sur mesure pour éliminer les mouvements politiques qui refusent de marcher au pas de M. Sarkozy. Le 23 mai 2004, a prouvé que les Mahorais, notre peuple, sont capables de donner tort aux spin doctors et autres politologues de la rue Oudinot de l'Élysée 2013 pourraient fort bien à nouveau venir contrarier les plans de ces éminences grises. Ce dont notre pays a besoin aujourd'hui, c'est d'un partenaire réellement ouvert au dialogue, désireux de s'engager sur le long terme dans une vraie démarche de développement endogène qui ne soit pas juste un paravent pour offrir sur un plateau tous les pans rentables de notre économie aux seules multinationales métropolitaines. Ce dont il n'a pas besoin, c'est d'un État qui continue de se désengager et de transférer ses propres compétences au pays ou aux communes sans en transférer le financement. Ce dont il n'a définitivement pas besoin, c'est d'un État qui juge plus utile d'envoyer son ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour un show électoraliste d'un soir, que pour s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement et les partenaires sociaux de ce pays pour aborder les vrais problèmes. Mais à dire vrai, quelle que soit l'issue des urnes le 7 mai prochain, notre pays, notre peuple, a avant tout besoin de comprendre qu'il doit se prendre en main, comprendre que le temps de la danseuse entretenue pour que les essais propres se déroule sans trop de heurts et fini. Comprendre que dans le concert des nations aujourd'hui, le Pacifique regroupe déjà les leaders. La mondialisation de l'économie est aujourd'hui installée, incontestable et irréversible. Aucun pays ne peut s'assumer en autarcie complète, ni la France, ni les États-Unis, ni même la Chine. Tous doivent apprendre à gérer intelligemment le réseau des interdépendances et trouver le dosage qui sera bénéfique à un développement harmonieux et pérenne de son peuple. C'est dans ce contexte que se situe l'action du gouvernement. Nous avions déjà en 2009 et depuis un an multiplié les démarches à caractère régional afin que notre pays s'inscrivent pleinement dans son bassin naturel, au plan géographique, culturel et économique. Aujourd'hui, notre démarche de demande de réinscription sur la liste des territoires non autonomes de l'Organisation des Nations Unies est comprise et soutenue par la majorité des États insulaires du Pacifique. Elle a également reçu le soutien non équivoque du Conseil des Églises du Pacifique, la Pacific Conference of Churches, réunie en congrès à Piula, au Samoa, en août 2011. La création l'année dernière d'un groupe des pays polynésiens au sein du Forum du Pacifique est de nature à renforcer ce soutien. Nos échanges avec le principal acteur économique de notre région, la Chine, se sont également renforcés, à telle enseigne que plusieurs bailleurs de fonds potentiels ont d'ores et déjà indiqué leur volonté de travailler avec notre pays. Toutefois, et l'on atteint ici les limites de notre économie, de notre autonomie, ces derniers nous disent qu'ils doivent malheureusement obtenir en préalable l'accord de notre puissance colonial, l'État français. Dans les prochains jours, nous allons recevoir d'importantes délégations d'investisseurs chinois. Eux aussi sont prêts à nous accompagner sur des projets réellement porteurs, pour peu que l'État français se comporte enfin, non en facteur bloquant, mais en facilitateur.
Le premier de ces projets consiste à bâtir autour de l'atoll de Hao un véritable écosystème économique autour du potentiel marin de notre zone économique. Nos interlocuteurs sont prêts à investir 15 milliards de francs pacifiques par an sur 15 ans pour développer toute une gamme d'activités, de pêche à la transformation, mais aussi l'élevage aquacole de diverses ressources marines, du thon au rori, en passant par des espèces de poissons lagonaires. Il ne s'agit pas d'un projet de petite envergure qui serait auto-centré sur le seul atoll de Hao, mais bien d'un vaste réseau s'étalant sur les atolls environnants et jusqu'aux îles Marquises. Hao jouant ici le rôle de hub, de par l'existence sur place d'infrastructures portuaires et aéroportuaires conséquentes. Je vous invite à comparer cette démarche réellement orientée vers le développement endogène à celle pour le moins étriquée et biaisée qui est brandie par l'État UMP depuis quelques années. L'État nous a annoncé des milliards à Hao. Et pourquoi en définitive? Essentiellement pour de la déconstruction, terme poli, désignant le fait d'effacer toutes les stigmates des essais nucléaires propres. Mais de ces milliards, combien ont et vont réellement contribuer au développement de Hao et de sa région? À dire vrai, ces milliards ont pour la plupart circulé en circuit fermé. L'État versant alarmé la plupart de ces sommes pour démonter, concasser et tenter de dépolluer ce qu'ils ont eux-mêmes pollué. À l'inverse, les projets de collaboration sur lesquels nous vous invitons à vous impliquer, à devenir des acteurs de notre développement en pour élément directeur, le développement de l'emploi local, la mise en place d'infrastructures durables, intégrant d'emblée les coûts de fonctionnement au modèle économique, la mise en place des filières participant au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens. Du projet de Hall à celui d'un TCSP étendu de Papara à Mahina, en passant par le développement d'infrastructures essentielles au développement des archipels éloignés, nos partenaires chinois sont prêts, pour peu que nous le soyons et que l'État ne vienne pas, par réflexe colonial, entraver ces démarches. La Chine n'est pas notre seul partenaire potentiel dans la région Pacifique. Lorsqu'il s'agira d'exploiter de manière rationnelle, efficace et surtout pour le bénéfice de tous les Polynésiens, les ressources minières terrestres et sous-marines, l'Australie est également un partenaire potentiel très intéressant. Pour que nous fassions les bons choix à ce moment-là, nous préparons aujourd'hui le cadre réglementaire rénové. Préalable nécessaire à toute démarche d'envergure. Nous refusons de reproduire ce qui s'est passé à Makatea. Il exploitait puis laissé à l'abandon et dont la majorité des revenus issus du phosphate sont partis bien loin de nos latitudes. Autant vous dire, mesdames et messieurs les élus et représentants, que nous avons foi dans notre pays, dans son potentiel. C'est dans cet esprit que je vous invite à aborder cette nouvelle session administrative de notre Assemblée. Maruru, Yorana, Terfoyerei.